Joe, réveille-toi. Nous sommes lundi, il est 7h. La veille était pénible. Nous avons vécu l'apocalypse des sentiments. L'étreinte embrasée des alcools capiteux. Oublié nos serments de bienséance. D'accord, mais c'est pas une raison. Et Joe, ne m'en veux pas, il est temps de quitter ces draps. Ton corps endormi semble avoir pris ses quartiers. Lève-toi. Saute par-dessus les couvertures. Les rues sont pleines de voitures remplies de têtes bien vides. Le soleil s'est caché pour l'éternité derrière des nuages cadavres. Les étoiles lassées sont parties rejoindre le néant. Et toi, toi tu sembles t'enfoncer encore dans tes rêves. Et Joe, nous sommes mardi, il est 7h27. Il y a déjà des émissions débiles à la télé. Une Samantha qui vend des autocuiseurs pour salade crue et sushi californien. Un chanteur à succès qui répond à des questions impertinentes auxquelles il a donné son accord la veille au soir. Et Joe, c'est mon plumard que tu as investi. Tire-toi s'il te plaît. Nous sommes jeudi. Tu exagères. Le concierge s'est fait dégommer hier par deux brutes qu'il refusait de laisser entrer dans l'immeuble. C'était des tueurs à gages. L'un portait un masque de girafe. L'autre s'était enfilé un barésie noir sur la tête. C'est le deuxième qui a sorti le flingue. Une arme de poing achetée la veille à un figripou. Il a pressé sur la détente, ça a claqué, comme si la mort s'était fendue d'un éclat de rire. Mais cela t'a pas réveillé. Tire-toi, s'il te plaît. Tire-toi. Joe, nous sommes samedi. Je pense que tu es malade. Dormir aussi longtemps, c'est pas normal, je t'assure. Je devrais appeler un médecin. Lui expliquer le cocktail, l'alcool, les filles, la drogue. Allez, bouge! Bouge! Remue sous les draps, bouge! Et Joe, nous sommes dimanche. Je dois me faire à l'idée que tu es mort. Ton corps est devenu blanc. Tes lèvres bleues, tu ressembles à une œuvre d'art. Ton corps inerte est parfait comme toujours. Excuse-moi de t'avoir dit de te tirer. Tu l'avais déjà fait. Je ne l'avais pas remarqué. La mort et moi, nous ne nous comprenons pas toujours. Nous nous croisons sans nous reconnaître. Je te laisse les clés de l'appartement. Dans l'hypothèse d'un jugement dernier. Et d'une potentielle résurrection des morts. Je t'embrasse. Adieu.